Le jeu des chaises musicales au MR pour les prochaines élections a de quoi surprendre. Olivier Chastel, l'actuel président du parti, annonce se retirer de la politique régionale et fédérale belge pour se consacrer aux affaires européennes. Ça induisait chez moi le raisonnement que je ne devais pas mener le combat pour notre formation politique pour cette triple échéance. Ce sera donc à Charles Michel de défendre le projet du mouvement réformateur et ce, jusqu'aux négociations gouvernementales. Il redevient ainsi président, 5 ans après l'avoir été, lui qui cumulera cette responsabilité avec sa fonction de Premier ministre. Je suis un et indivisible. Je vais mener ma responsabilité jusqu'à son terme de Premier ministre dans l'intérêt du pays et je vais dans le même temps. Je vais dans le même temps être présent dans la campagne électorale pour l'avenir du pays. Charles Michel devra donc assumer la politique du MR depuis 2014 et défendre le programme du parti. Un programme toujours axé sur l'économie, l'emploi et l'innovation. Pour le Premier ministre, cette politique permettra de répondre aux enjeux climatiques et aux attentes des citoyens. Didier Reynders tirera la liste du MR à la Chambre pour Bruxelles et Françoise Kepmans s'occupera du régional, secondé par Vincent De Wolf. D'abord, je trouve tout à fait normal, comme ministre fédéral depuis des années, de défendre notre bilan, mais aussi notre projet, et d'essayer de continuer à jouer un rôle pour l'OMR au niveau fédéral. Et puis, je suis très heureux de le faire avec une équipe à Bruxelles. Françoise Kepmans va mener la liste à la région. Je crois que c'est un ensemble équilibré d'avoir une femme à la région, un homme au fédéral. À moins de 100 jours des élections, l'OMR se met en ordre de marche avec un programme électoral qui reste encore à peaufiner.